Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sous ce soleil radieux et cette lumière est magnifique sur cette pelouse de grande qualité. Vraiment, aujourd'hui, on est à quelques instants du coup d'envoi de cette rencontre. Le temps pour nous de vous la présenter rapidement, de vous communiquer d'abord ce que vous attendez en priorité, la composition des deux équipes et ensuite le coup d'envoi pour être donné. Et le Camp Nou qui brille aux couleurs des Blaugrana, quel bonheur pour les yeux. Et le coup d'envoi a donc été donné. Je me demande qui fera la différence dans ce match. Une idée, Darren ? Lionel Messi, forcément. C'est une légende vivante. Il est toujours au top. Et que vous soyez supporter de son équipe ou pas, avouez, c'est toujours un plaisir de le voir jouer. Quel virtuose ! C'est vrai que je le verrai bien marqué dans ce match. Un peu d'oxygène pour sa défense. Carte, ça joue long. Il est servi. Quelle occasion, attention! Carlos Martinez. Vous avez remarqué comme les latéraux montent, quoi. Oui, c'est vrai, mais je suis sûr que ça correspond à une tactique précise, non? À mon avis, c'est pour forcer les ailiers adverses à redescendre. Plus ils sont loin de votre cage, moins ils peuvent causer des dégâts. Il joue dans l'espace. Centre à ras de terre. Un grand dégagement le plus loin possible. Il revient dans l'axe. Messi! Il n'arrive pas à se rapprocher du but adverse. Faute, oui, l'arbitre a sifflé. Danger repoussé pour le moment. C'est dégagé. Ça joue à gauche. Le bon dribble. Bien tenté. Va-t-il en profiter? Il est sur le côté, il peut tenter un centre. Malcolm. La passe en retrait vers son défenseur. Barcelone qui peut avancer. Allez. Le petit 1-2. Il déclenche son centre. C'est dégagé, loin devant. Un peu d'oxygène pour sa défense. Attention, la frappe. Bien repoussé par le gardien. Incroyable comme il est allé la chercher. Ça semblait se diriger tout droit au fond. Roland à droite. Au tour du gardien de jouer. C'est joué long avec Malcolm. Il cherche la profondeur. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. Long ballon dans le sens du jeu. Messi. Castro. Carlos Martinez. Roland. Il n'arrive pas à se rapprocher. Pour trouver la faille dans la défense. Bon, c'est sans doute pas le centre de sa carrière.
C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Qui est bien placé. Coup de sifflet, hors jeu. Oh non, superbe passe sans contrôle. Ça méritait d'aller au bout. S'il le trouve, Messi. Carles Alenia. Barcelone qui cherche l'étincelle. Carles Alenia va avoir besoin de soutien là. Il a trébuché sur cette intervention. Oh, voici Roland. L'arbitre siffle une faute. Mais le danger est écarté. Mais ce ballon en retrait vers le gardien. Le gardien loin devant. Ballon intercepté, ça soulage la défense. L'arbitre siffle la fin de cette première mi-temps. Barcelone qui regagne les vestiaires sans avoir réussi à faire la différence dans ce match. C'est peut-être le moment de faire un peu de coaching. Ils n'ont jamais vraiment été inquiétés dans cette première mi-temps. Le crédit revient à toute l'équipe. Ils ont défendu de partout, tout en restant très très bien organisés. Pas de but, 0-0. Tout va se jouer dans les 45 prochaines minutes maintenant. Et le jeu a déjà repris dans cette seconde période. Barcelone, pour moi, a dominé cette première période. Bon, ça ne se voit pas au tableau d'affichage pour l'instant, mais ça pourrait venir sous peu. Il préfère repasser derrière. C'est plutôt intelligent. Pourquoi pas, très fort, très loin, ça soulage. Ça passera sur le côté. Il glisse le ballon en profondeur. C'est le moment de centrer. Ça sent la frappe. Dans la surface. Corner. C'est l'occasion de procéder à un changement. Vidal entre en jeu. Il peut faire la différence avec sa... Quelle détente! Et l'arrêt est magnifique! Quelle classe! C'était un arrêt extraordinaire! La tête! Oh, ça a touché la transversale. Ah, il manquait pas grand-chose, là. Ah, oh, c'est pas possible! C'est hors de la barre! Oh, voici Roland. Oui, ça pouvait être dangereux. Il fallait impérativement l'arrêter. Et on attend toujours l'ouverture du score. C'est joué long. Attention. Malcolm reçoit le ballon. Non, là, ça ne passera pas. Avantage défense. Le ballon sort du terrain. Qui est le premier sur ce ballon? Il allonge vers l'avant. La passe dans la profondeur. Et ce sera une faute. Castro. Toujours 0-0, le match reste ouvert. Il n'hésite pas à participer à l'effort défensif. Pour un attaquant, c'est bien. Les équipes ont de plus en plus tendance à défendre haut aujourd'hui. Ça devient un peu la norme. Le long dégagement du gardien. Oh, voici Roland. Il pourrait faire rentrer des joueurs frais, il leur reste deux changements. Et il tombe sous la pression. Carlos Martinez, qui est récompensé de son pressing. Il relance côté droit. C'est dégagé, loin devant. Il a tenté, bien joué. Là, il peut centrer. Il peut y aller.
Oh, le gardien est là, la classe. Oui, quelle intervention. Honnêtement, moi, je la voyais dedans. Roland. Oh, quel coup de tête, mais ce n'est pas cadré. C'était bien tenté. Ils étaient deux sur lui, quand même. Avec Malcolm. Barcelone qui peut avancer. Allez. Ça joue long vers l'avant. Il tente de la jouer dans l'espace. Bien servi. Bien défendu. C'était chaud. Ça ne passe pas. Malcolm. Barcelone qui essaye de construire. Il glisse le ballon en profondeur. Le centre dévié par le défenseur. Ce sera un corner. Il met la tête. Oh, l'énorme occasion de la tête. Tout seul, à cette distance, il doit vraiment faire mieux. Sergio Busquets, un long ballon vers l'avant. Il est passé. Vidal pour trouver la faille dans la défense. La passe interceptée. Il y a du jeu, il y a du dynamisme. Malheureusement, ça reste stérile. Malcolm qui récupère ce ballon. Les deux équipes doivent faire attention au contre maintenant. Il faut garder ce ballon, faire tourner, être patient et saisir sa chance. Sergi Roberto. C'est intercepté. Un peu d'air pour la défense. Ça va soulager un peu. Ça peut être extrêmement dangereux. Oh, voici Roland. Roland qui choisit le côté gauche. C'est joué long, attention. Il est à distance de tir, ça peut faire mal. Oh, c'est un arrêt important, ça. Oui, il était bien concentré, bravo. C'est donc un double changement, un par équipe. Le corner est joué court. Ah, mais quel dommage, quel gâchis, mais il n'arrive pas. Vidal, il joue dans l'espace. Dans la surface. Oh, voilà le coup de sifflet final. C'est fini. Ah, ce n'est pas un bon résultat, ce match nul à domicile. Alors dites-moi, dites-nous, qu'avez-vous pensé de ce match? Vous savez, il y a des jours où on n'arrive pas à gagner. Bonjour à tous et bienvenue pour cette rencontre. La météo est incertaine, je préfère vous prévenir. Mais en revanche, je peux vous assurer que tout est prêt pour vous faire vivre ce match. L'échauffement est terminé, le stade s'est rempli peu à peu. On va pouvoir commencer d'ici une poignée de secondes. Et d'abord vous donner la composition des deux équipes parce que c'est l'information que je sais vous attendez avec impatience. Juste un qualificatif pour ce stade. Magnifique. On ne vous l'a pas signalé, mais le coup d'envoi a évidemment été donné. Dites-moi, Darren, qui sera pour vous le joueur de cette rencontre? Maybe Arturo Vidal.
C'est un milieu de terrain comme on les aime. Super complet, rapide, technique, précis et attention à ses tacles. Oui, je suis bien d'accord et je suis sûr qu'on n'est pas les seuls à le penser. Vidal. Nelson Semedo. La passe dans la profondeur. Un centre tombe, il tire. C'est dedans. Le match vient de débuter, mais lui, il est déjà bien présent. Et oui, tout repose sur la détermination. C'est ça, les grands joueurs. Le gardien ne pouvait rien faire là-dessus. Il n'a rien à se reprocher. Quand il voit le ballon, il est déjà trop tard. Barcelone, ils sont désormais devant dans cette rencontre, comme au score cumulé. La longue passe, il peut en profiter. On joue sur l'aile, il est servi. Il y a peut-être un coup à jouer. Ce sera une remise en jeu. Il choisit de centrer. Oh, la tête! Oh, la tête! Pas de réussite! Ah, quel dommage. Il était pourtant en position idéale. Malcolm. Il tente de la jouer dans l'espace. Ça pourrait être dangereux. La tentative. Le danger est repoussé. Non, il n'a pas joué le ballon là. Oui, ça démarre fort. C'est le premier jour de son équipe avertie. Long ballon dans le sens du jeu. Roland. Vous avez remarqué comme les latéraux montent, Grégoire ? Oui, c'est vrai, mais je suis sûr que ça correspond à une tactique précise, non ? À mon avis, c'est pour forcer les ailiers adverses à redescendre. Plus ils sont loin de votre cage, moins ils peuvent causer des dégâts. Roland. C'est reparti, ils peuvent contrer. Il allonge. Quelle maîtrise ! Un peu d'oxygène pour sa défense. Pour trouver la faille dans la défense. Il joue dans l'espace. Et ça n'arrivera pas, pas assez précis. Et ils essaient de repartir de derrière. Pour filer droit au but. Barcelone est vraiment bien rentré dans cette rencontre. Ça fait donc 1-0. Roland. Il passe en retrait au gardien. Piqué. Un long ballon vers l'avant. C'est joué long, attention. Quelle fait du bien cette interception. Oh, voici Roland en retrait. Dans la profondeur. Oh, l'interception. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Vidal. Jordi Alba. Il glisse le ballon en profondeur. Il cherche la profondeur. Allez, ça peut faire mal. Jordi Alba. Ça joue long vers l'avant. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. Ça joue à gauche. C'était une longue séance de conservation, mais bien stérile au final. Ça passe à droite. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. Oh, voici Roland. Il
y a du mouvement. Nelson Semedo. Dans 5 minutes, l'arbitre va siffler la pause. Il restera un ou deux bons coups à jouer là. Oh, voici Roland. Avec Malcolm. Jordi Alba. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Et oui, faute. Coup franc. Peu prétentieux quand même sur cette frappe. Il est très loin, il y avait sûrement mieux à faire. Et c'est le coup de sifflet, c'est la mi-temps. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Bien sûr, ça fait toujours plaisir de rentrer au vestiaire en menant au score. La question est de savoir s'ils auront encore le sourire à la fin du match. Le score donc 1-0, on espère encore plus de jeux, de spectacles au cours des 45 prochaines minutes. Si vous vous étiez absenté pendant la pause, vous n'avez rien manqué, le match vient tout juste de reprendre. Un seul but d'écart, mais ça suffit à leur bonheur pour le moment. Il joue dans l'espace, il tente de la jouer dans l'espace, il est à distance de... Oui, il peut frapper là. Oh, c'est au fond. Deux buts d'avance, la différence est faite. La défense l'a un peu oublié, manque de concentration. Il a bien exploité l'espace devant le but et à partir de là, c'est très difficile de l'arrêter. But. C'est reparti sur ce score de 2-0. Alors là, c'est un but qui fait du bien. À 2-0, ils peuvent voir venir. La passe dans la profondeur, c'est joué derrière. C'est joué long, attention. Ça revient dans l'axe. C'est dégagé, loin de... La tentative. Malcolm, qui a de l'espace. Bonne lecture de la trajectoire. Je ne sais pas ce que l'entraîneur leur a dit à la mi-temps, mais pour l'instant, ça marche. Piqué. Messi. Jordi Alba. Il glisse le ballon en profondeur. Ça ne passe pas. Et c'est directement récupéré. Et c'est bien de se montrer patient dans la construction, mais si c'est pour finir comme ça, c'est dommage quand même. Oh, Messi! Il met le pied, ballon récupéré. La faute. Sergio Busquets. Jordi Alba. Il joue dans l'espace. Toujours pas de mouvement du côté du banc. On entre dans un moment du match où le rôle du coach peut être décisif. Oh, le bon tacle glissé. Il glisse le ballon en profondeur. Il a stoppé l'attaque adverse. Oh, la maîtrise. Quel bonheur pour les yeux. Il relance côté droit. Il est tout seul. La passe dans la profondeur. Il y a danger. Il peut frapper. Oh, voici Roland. Carlos Martinez. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. La défense l'a très bien muselé sans lui laisser d'espace pour se retourner. Il est passé. Il tente de la jouer dans les... Oh, la frappe! Dans la surface. Oh, quel geste! Le centre est tendu. Barcelone qui récupère ce ballon.
encore. Il y a danger. Mais allez, c'est dangereux. Et l'arrêt, magnifique. Incroyable comme il est allé la chercher. Ça semblait se diriger tout droit au fond. L'arbitre revient à la faute et décide de l'avertir. Le dernier coup de poker de l'entraîneur. Deux changements d'un seul coup, le manager a décidé de faire tourner. Ça va être intéressant de voir comment il se place. Ce n'est plus du marquage, c'est du harcèlement. Oui, mais il aurait fallu le faire avant qu'il marque. Bon, au moins ils essayent. Un grand dégagement le plus loin possible. Et il tombe sous la pression. Il récupère le ballon. Vidal. Le jeu repart vers la droite. Tant qu'on le garde dos au but, il est inoffensif. C'était bien défendu, ça. C'est bien, la passe à 10, mais il faut essayer d'être plus dangereux. C'est intercepté, ça aurait pu faire mal. Avec Malcolm. Oh, Messi! Messi qui choisit le côté gauche. Il joue dans l'espace. Jordi Alba. Il file vers le but. Il remporte son duel. La surface était surpeuplée pour le coup. Impossible de déclencher un tir correct. Pour trouver la fin. Oh, l'occasion! Oui, c'était bien cela, mais c'est mieux quand c'est au fond. C'était bien vu, dommage, le geste n'est pas génial. On profite de cet arrêt de jeu pour effectuer un changement. Son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jus, alors il valait mieux le sortir maintenant, plutôt que le voir courir jusqu'à épuisement. Un ballon intéressant. Oh, la frappe! Ah, quel dommage, ce succès qui leur échappe sur cette ultime tentative. Quelle belle confirmation pour eux aujourd'hui après la victoire du premier tour. Ils s'imposent encore aujourd'hui. Ils ont vraiment l'air solides maintenant.